Donc je vous en retrouve pour une nouvelle vidéo où je suis en compagnie de Daryl et d'Adrienne. Coucou. Salut. Juste ça a bugué en fait au moment où t'as fait ton gesticule. Là l'image elle est fixe. Du coup je vois rien, je vois juste tes bras en l'air. Ah si c'est bon. Et donc du coup pour cette mise à jour nous avons une amélioration des points de contrôle. Donc le bruit est différent, la sonorité est différente, voilà c'est ça. Les Quateros ont été déplacés dans les chevaux anciens, d'ailleurs ils coûtent plus que 475 ou 480. 75, ouais. Ouais, voilà. Star Coins. Et ensuite, nous avons un nouvel item dans la boutique bonus que Adrienne peut vous montrer. Révélation. Elle est bleue et elle a un bord dessous qui est un peu marron. Ouais, elle complète l'ensemble du camping. Station plus 4, maîtrise plus 5 et soin plus 3. Donc c'est cool en vrai. Et ensuite, je vais vous lire les autres petites modifications. Les boutiques rénovées. Toutes les boutiques du jeu ont été mises à jour afin d'utiliser la même interface. Cela veut dire que maintenant, tu pourras trier les objets d'une boutique par type et couleur, peu importe où tu te trouves. Nous avons une autre nouvelle. La boutique The Fashion Barn du village de Silverglade a fermé. Mais ne t'inquiète pas, tous les objets qui s'y trouvaient précédemment peuvent se trouver dans d'autres boutiques de Jorvik et dans le magasin global. Mise à jour du menu des cafés. Tous les cafés de Jorvik ont aussi reçu une mise à jour de leur interface et de leur menu. Ils sont maintenant classés en cafés classiques, restaurants, pâtisseries, bars de plage et marchands de glace. Ils te proposeront différents plats selon le type de café où tu te trouves. Va soutenir ton café préféré et découvrir les changements. Et ensuite, je vais vous lire le spoil de la semaine prochaine. Sois prête pour l'arrivée des chevaux magiques Thelina et Campos. Donc je mettrai la vidéo dans la description du spoil des deux chevaux magiques. Sur le modèle d'ailleurs de la Kalteke. Oui, voilà. Ok, du coup, c'est parti. On va tout de suite tester la nouvelle course. Ok, alors la course, elle est un peu compliquée. Ouais. Elle est très même, je dirais. Ouais, d'accord, bah, surtout pour toi, puisque tu viens de commencer. Enfin, au moins, ça va, t'es préparé au pire. C'est ça. Du coup, là, on va aller voir les modifications apportées au restaurant. D'abord, on va juste aller à celui de Valédal pour l'instant. Et ensuite, du coup, pour les points de contrôle, j'ai pas vraiment vu de différence au niveau de la luminosité, parce que c'est vrai qu'on n'y fait pas vraiment attention. Et sinon, voilà, j'ai pas mis le son, mais enfin, le son, il est pas vraiment. Il est plutôt discret, on va dire. Oh non, non, non. Ah, mais je vous vois sur vos chevaux debout. Quoi? Oula. Mais quoi? Mais on est pas en train de sur ton cheval, là, en fait. Quoi? Non, je vais sur mon cheval. Moi, je te vois sur ton cheval. Attends. Daryl, on est d'accord, je vais sur mon cheval, là. Non, non, là, t'es en train de voler en l'air. Tu marches. Oui, là, tu cours. Tu cours, mais. En fait, après, tu glisses. Oh putain. Oh, oui, il y a des macarons. J'ai pas vu le... Oui. Oh non, mais par contre, ils sont trop choux, les macarons. J'ai trop flippé quand j'ai vu le... Quand j'ai vu... Je sais pas, c'est un moine. Ah, ça donne faim. Moi, je veux un macaron au poisson. Quoi? Ah, mais c'est dégueulasse. Ouais. Bah moi, je vais prendre un macaron à la pomme. Voilà. Ouvre ton sac à dos. Sac à dos. Vas-y, moi je prends le macaron au poisson. Mais franchement, à quoi ça sert d'avoir un macaron dans une assiette en fait? Je sais pas. Tu le prends dans les mains et ensuite tu le bouffes. Par contre, on peut m'expliquer pourquoi toutes les assiettes sont dans le coin de la table? Je sais pas. C'est quoi ce délire? En fait, on mange chacun notre tour pour voir. Ouais, c'est ça, on va échanger les assiettes. 328.
A.M. Attends, par contre, pourquoi ils sont pas au prix que tu... Pourquoi ils sont pas au prix... Ah si, il y en a... What? Il y en a, ils 475. Sont au prix... Oui, mais là, là il, lui, il est pas. What? Mais ah, what? Mais c'est parce que c'est pas une porte, non. Ah, je sais. Ah oui, okay, c'est pas la même... Oui, c'est pas vraiment la même race. Oh punaise, c'est le même modèle, c'est vraiment la même chose, mais bon, c'est juste pas la même robe et... Peut-être qu'on ferait pas une horse aussi, hein. Bon, et ben, je pense qu'on a fait le tour un petit peu près du tout. Donc voilà, du coup, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour toutes mes prochaines vidéos, et on se retrouve bientôt. Bisous. Ciao, ciao.